Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Gaming. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation de la nouvelle saison, c'est la saison de Singapour. Il n'y aura pas de pack opening dans cette saison, puisque comme vous avez pu le voir dans la saison précédente, la saison du nouvel an, j'ai utilisé vraiment tous mes rubis, quasiment 400 rubis, enfin même plus de 400 rubis, voilà, pour l'avoir en fait, pour avoir le buzzer chat, enfin à l'avant-dernier tirage du tuyau, voilà. Donc du coup, j'ai plus rien, je suis liquidée, il me reste que 57 rubis, et ça sert à rien de faire un tirage, surtout quand on a une chance sur 100 de l'avoir. Voilà, c'est pour ça que je ne vais pas faire le tirage. Donc, saison 2 Singapour, on a forcément un nouveau perso qui apparaît, c'est Luigi Vacancier, qui pour le coup est assez sympa avec la fleur boomerang, donc c'est quand même un assez bon objet. Bah, c'est d'ailleurs un des meilleurs objets, je trouve. Un des meilleurs objets du jeu, pardon. On a également le kart Merlion Mobile et une nouvelle aile, l'aile Manta Argentée. Je sais pas si elle est nouvelle celle-là. En tout cas, le kart est nouveau, il est trop trop beau. On va d'abord faire le tirage gratuit et ensuite je vous présenterai un petit peu la saison. Voilà, bon, c'était sûr que j'allais pas la voir. Donc voilà. Et pendant que je vais vous présenter la saison, je vais faire la partie rapide du jour au cas où j'ai un truc de ouf dans le tuyau. Voilà, donc dans le tuyau 2, il y aura 3 Luigi. Alors le Luigi explorateur, je crois, le Luigi peintre et le Luigi classique ultra rare. Donc tous les tuyaux sont sur la gauche de l'écran de toute façon, donc vous pouvez le voir. Je ne sais pas s'il y aura des persos... Ah bah si, c'est les 3 persos en lumière, pardon, je suis con. Je voulais dire pour le tuyau de 50 que je savais pas s'il y avait des persos en lumière. Et donc du coup pour le tuyau de 50, donc pour le tuyau de ce dimanche, on aura les 3 Pauline. Alors je sais plus lesquels exactement, mais ce sera affiché sur la gauche. Il me semble qu'il y a Pauline soirée, Pauline normale, Pauline Saint-Valentin, j'en sais rien, bref, il y aura les 3 Paulines du coup pour ceux qui les veulent. Donc moi le tuyau de 50 je le ferai pas forcément vu que je fais très rarement les tuyaux de 50 et qu'en plus de ça j'ai quasiment rien, enfin j'ai quasiment pas de rubis, voilà. Et oh merde, il n'y a pas le son. Vous avez pas le son depuis le début en fait. Et le tuyau 2, bah je le ferai pas non plus, même s'il y a 3 persos ultra rares. D'ailleurs, ça me paraît énorme 3 persos ultra rares. Sachant qu'il n'y en a que un, cette semaine. Bon, c'est un peu bizarre, mais ok, très bien. Donc dans ce cas-là, ceux qui veulent le nouveau perso, je voulais vous dire... Oh, je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire, ceux qui veulent le nouveau perso, ne tirez quand même pas, je pense. Voilà, dans le tuyau 1, parce qu'il y a très très peu de chances de l'avoir. Donc ça sert à rien de gâcher pour un seul perso, quoi. C'est pas comme si vous alliez avoir plein, plein de nouveaux trucs. Voilà, et pour le deuxième tuyau, il est pas mal s'il vous manque pas mal de trucs. Moi, je crois que j'ai tout, de toute façon, donc bon. Dans tous les cas, j'aurais pas tiré pour le tuyau 2. Voilà pour la présentation des différents tuyaux. D'ailleurs, je voulais remercier également Christophe pour la photo que j'ai mise en overlay, enfin la photo qui est en fond. Voilà, c'est la photo de Christophe. Et après, la photo en miniature, je sais plus si la photo de qui, de Alex ou de Mathéo, enfin je sais pas, mais de quelqu'un qui l'avait envoyé sur le Discord. Voilà, et d'ailleurs je vais faire un prochain épisode de je présente vos photos pour la saison de Singapour. Et attendez, j'attends juste de voir ce que j'ai. Oh, pas mal quand même. Enfin pas mal, ça va. C'est mieux qu'un commun normal. Je vais faire un épisode de je présente vos photos pour la saison de Singapour. Donc n'hésitez pas à m'envoyer par mail et en description vos photos et vidéos pour la saison de Singapour. Donc c'est sur le thème Singapour. Attention, n'envoyez pas une photo classique Château de Bowser, je m'en fous. Je veux juste sur les nouveaux circuits. Les nouveaux circuits, donc poursuite à Singapour A et poursuite à Singapour S, enfin tous les poursuites Singapour. Dès qu'il y a Singapour dans le nom, vous pouvez faire des photos avec le nouveau perso si vous voulez, avec d'autres persos si vous voulez également. Voilà, j'ai déjà eu de très jolies photos sur le Discord pour le moment, donc n'hésitez vraiment pas à participer. Vous avez jusqu'à mercredi prochain à peu près, sachant que la vidéo va être sûrement tournée, peut-être, enfin elle va sûrement sortir le vendredi ou le samedi d'après. Voilà, donc pas ce vendredi mais l'autre. Voilà pour l'explication des tuyaux et l'explication des prochaines vidéos à venir. Je suis prise les 2 prochains week-ends, il me semble. Enfin, je sais plus exactement, mais en tout cas, il n'y a pas de live prévu cette semaine. Peut-être la semaine prochaine, mais en semaine. Parce que du coup, le week-end, je suis pas trop disponible. Donc voilà, également, pour l'annonce des lives. Sinon, pour les petites nouveautés également, on peut avoir celui-là. Donc le Koopa violet, si on finit dans les 5 premiers, moi ça va être très très compliqué pour moi et je pense pour beaucoup, parce que sur le Discord, il y avait l'air d'avoir beaucoup beaucoup de gens qui étaient dans le même cas que moi. C'est que, bah écoutez, je n'ai rien. Regardez, j'ai pas le perso, pas le carte, pas l'aile sur la première course, donc ça va être annoncé très très compliqué de faire un bon score. Sur la deuxième, je crois que j'ai tout, il me semble. Oui, voilà, j'ai tout. Voilà, donc ça, ça va aller, c'est le seul où je pourrais faire un bon score. Et là, regardez, j'ai pas le perso... Et j'ai le kart et j'ai pas l'aile. Voilà. Donc ça va être très très compliqué. Surtout que les gars ils sont déjà à 70 000. Donc laissez tomber à mon avis pour la 5ème place. Je pense que bah en vrai je vais essayer de viser 4ème ou 5ème. Et ça va être très très compliqué. Voilà. Il va falloir que je sois au taquet sur la deuxième course.
Voilà, bon, c'est déjà tout, je pense, pour la vidéo. Ah non, 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 il y a un autre truc à dire. Prochaine saison, il y a eu un teasing, donc n'écoutez pas ceux qui veulent pas savoir. La prochaine saison, ce sera Wario vs Waluigi, un nouveau rallye. Voilà, donc je suis super contente, bon, même si c'est pas trop ma tasse de thé les rallyes, mais voilà. Moi, j'aime beaucoup plus Waluigi, mais étant donné qu'à mon avis, Wario est beaucoup plus privilégié par les gens, je pense que je vais quand même me tourner vers Wario. Donc n'hésitez pas à me dire vous êtes quel team en commentaire, team Wario ou team Waluigi. Et du coup, j'ai hâte de vous présenter la prochaine saison. C'est tout pour cette vidéo, c'est une vidéo très très rapide pour vous annoncer les prochaines vidéos live, les prochains tuyaux à venir, et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner, on se retrouve pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Bisous!